Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire un spécial Saint-Valentin gâteau au chocolat. Je vais vous montrer ce qu'il va vous falloir. Une demi-tasse d'huile. Un emballage Betty Crocker au chocolat. Moi, j'ai pris au fondant au chocolat. 3 œufs. Et une tasse et un quart d'eau, donc 300 ml d'eau. Moi, je vais prendre pour l'occasion un moule en cœur et des moules à muffins avec un beau petit papier rose. J'ai acheté le glaçage à la vanille car je vais mettre du colorant. J'ai pris du rose et du rouge. Et pour la décoration, d'autres petits brillants comme ça et des bonbons pour mon garçon. On préchauffe à 350. C'est parti. Première étape, on beurre notre moule pour pas que ça colle. Vous allez mélanger le mélange à gâteau. Et que je sois fière de moi d'utiliser ça et de ne pas faire mon gâteau moi-même. L'huile. L'eau. Et les 3 œufs. Plus tard, vous allez mélanger 2 minutes de temps à régime moyen, donc moi je vais le mettre à 3. Bon, je vais juste racler pour être sûre de chaque côté que le mélange a bien été fait partout. Et on en verse dans le moule. Environ à la moitié. Et on va en verser pour faire des petits gâteaux. Et voilà le résultat. Donc, on va enfourner pendant 18 à 23 minutes vu que c'est mes muffins. Et si je vois que mon gâteau n'est pas encore prêt, je vais le laisser un peu plus longtemps. Mais on verra ça tantôt. Donc, pendant que c'est en train de cuire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre crémage. J'ai pris la moitié environ de crémage et je l'ai séparé dans 2 pots. Si vous voulez, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Moi, c'est rose et rouge. Donc, pour le rose, prends un petit morceau de rose. Faites attention pour ne pas vous tacher vos mains. Et un petit morceau de rouge. Et on mélange. Ça va donner un beau rose splash. Donc, vous allez faire la même chose avec le rouge. Et voici le résultat que ça donne une fois bien mélangé. Pour les muffins, c'est prêt. Donc, je vais sortir les muffins. J'ai rajouté un 7 minutes pour le gâteau. On va voir dans 7 minutes de quoi ça a l'air. Et mon gâteau est prêt. Donc, en réalité, si vous faites des muffins, 23 minutes, c'est parfait. Et le gâteau, 30 minutes, ça va être parfait. Donc, on laisse reposer ça. Et plus tard, quand ça va être refroidi, on va mettre nos décorations. Donc, une fois tout bien refroidi, je vais mettre là-dedans pour pouvoir décorer mes gâteaux. Là, j'ai choisi de mettre le rose en premier. Vous y allez comme vous voulez. Je vais décorer mon gâteau, mes petits cupcakes. Et vous allez faire ça avec tous vos petits gâteaux si vous voulez. Alternez avec vos couleurs, décorez-les comme vous voulez, mettez des petits bonbons. Et je vais vous montrer le résultat final après. Une fois que vous aviez fait ce que vous vouliez avec le rose, vous allez pouvoir entamer avec le rouge. Et continuez vos décorations. Pour les bonbons, vous allez en mettre un petit peu dans un bol. Vous allez prendre un de vos cupcakes.
le tremper dans les bonbons. Et voilà! Et voilà le résultat final! Je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin et beaucoup d'amour avec votre famille et vos amis!